Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. Long chrono au programme aujourd'hui. C'est sans surprise qu'on devrait assister à la victoire d'un spécialiste de la discipline. On fait partie des outsiders, donc on peut se mêler à la lutte pour le podium de l'étape. Bon chrono à tous! Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-montre individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Allez, c'est parti. Le parcours est quasiment tout plat. Le début est très simple, c'est des grandes lignes droites. T'as juste à te concentrer sur ton effort. Allez, bien concentré, tu gères. Allez, allez! Go, 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 go. Hop, hop, hop. Allez, allez, vas-y! On passe sur le pont et ce sera le pointage intermédiaire. Le parcours est assez rectiligne pour le moment, mais la fin sera plus technique. Il faudra prendre les bonnes trajectoires. On arrive au checkpoint. On va voir si tu es dans les temps. Allez, continue. Reste bien concentré pour ne pas manquer d'énergie à la fin. Allez, lève bien la tête. On arrive sur la partie technique. Concentre-toi sur ta trajectoire. Allez! Attention, prochain virage à droite. Allez, encore 2 km. Encore un virage à droite et ça sera le dernier kilomètre. Allez, dernier kilomètre, c'est bientôt fini. Allez, allez. Dernier virage, c'est l'arrivée. On pouvait espérer mieux qu'un top 10 aujourd'hui. Le podium me semblait envisageable, c'est dommage.
Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette étape reliant l'Allemagne à la Belgique, il y a fort à parier que les sprinteurs mettront tout en œuvre pour décrocher la victoire. Si certains tenteront sûrement de déjouer leur plan, les chances de les voir réussir tiennent du miracle. Ok, je vais le protéger. Le break n'est pas encore fait, ça relance en tête du peloton. T'as une trente d'avance sur le peloton, ça sent le bon coup ça. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Qu'un seul point à marquer pour le classement du meilleur grimpeur. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. Le peloton a 1:30 de retard sur toi. D'accord. Si ça roule trop vite, j'insiste pas. Plus que 5 km pour la tête de la course. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif. Allez, après le prochain virage, c'est la dernière ligne droite. Et là, le sprint va être lancé. Un équipier est tombé. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devait pas. Voilà, bravo les gars. C'est un beau podium aujourd'hui. N'attendez pas à une telle performance sur cette étape. Encore bravo.
Bonjour à tous, c'est une étape que l'on peut qualifier d'internationale aujourd'hui. En effet, après le départ donné en Belgique, le peloton traversera le Grand-Duché du Luxembourg, du nord au sud, pour enfin se disputer la victoire en France, dans la commune de Longwy. Il n'a pas l'air de vouloir vous laisser plus d'avance et ses équipiers roulent. Ça va être le jeu du chat et de la souris. Nouveau leader pour le classement de la montagne. C'est pas un problème car il reste dans l'équipe. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. La prochaine difficulté est répertoriée en quatrième catégorie. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Come on!
D'accord. Si ça roule trop vite, on n'assiste pas. Le peloton entame maintenant la descente. Plus que 5 km. Restez bien placés pour éviter de perdre du temps à cause d'une cassure. Le peloton aborde maintenant la côte d'arrivée. Tout va se jouer dans ces deux derniers kilomètres. Et il faudra avoir de sacrées qualités de puncher pour s'imposer. Ok, je vais attaquer. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. C'est la flamme rouge pour la tête de course. Ça marche. Me ravitaille. Ok. Je vais attaquer. On est leader virtuel. Allez, on... Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Verdier Longhi. Alejandro Valverde. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Alejandro Valverde. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. Bravo les gars, félicitations.